Allô, gars, c'est comment? Ça va et toi? C'est quoi? C'est quelle voix ça? C'est la grippe. Quelle grippe? Tu es pas sûr de crier fort, fort. Est-ce que la voix est pas si? Quelle temps? Donc, il pleut seulement chez toi, il ne peut pas chez nous là, n'est-ce pas? Peut-être. Tu veux nous casser les pour bien que tu viennes parler. Tu n'es pas mariée. Pardon, dans le présent, je marie pourquoi je ne peux plus sortir. Non, moi, je ne peux pas les femmes mariées. Non. De toutes les façons, si je viens, c'est par rapport au mariage que tu dis là-bas. Moi, je ne sais pas. Je fais même quoi? Déjà qu'on n'est même pas encore vraiment, vraiment mariés. Même ma bague de fiançailles, je ne porte plus. Pourquoi il y a un problème? Je ne sais pas si je vais supporter. Tu fais quoi encore? Un gars qui n'est jamais à la maison. Un gars, mission sur mission, mission sur mission, mission sur mission. Pas mon temps, en fait, il n'a plus mon temps. On se voit difficilement. Et comment pourquoi on se voit? Le jour qu'on s'est vu un jour, le lendemain, c'est que je pars à mission. C'est quoi? Attends. Tu sais que ce qui fait, c'est pour vous, non? Ah, pardon. Pardon. Tu sais qu'il y a les femmes qui aimeraient être à ta place. N'est-ce comme pas? Moi, comme ça, là. N'est-ce pas? Genre, tu es. On sait dehors que tu es marié, mais tu vas donner ton mari, c'est ça. Mais il travaille. Merci beaucoup. Parce que les autres qui sont constamment à leur femme, ils ne travaillent pas. Ils vivent dans la rue. Donc, c'est pas, ne dis pas les choses comme ça. Maintenant, il dit, je pense que c'est même mieux que je sois comme toi. Là, il dit, quand il sort, après, il rentre. Non. Tu as voulu le mariage, non? Maman, vis le mariage. Ce n'est pas le genre de mariage là que je voulais. Il y a des gens qui sont souvent là. Je te dis qu'il n'est pas là. Il ne fait même pas 3 jours à la maison. On ne fait pas 3 jours ensemble. Et après, c'est comme ça qu'il ne me touche pas. Il me fait un peu, je suis fatiguée. C'est comment? Moi, je vis comment? C'est déjà le mariage. Et donc, ça, ton problème? Mais c'est tout ça mon problème, non? Je fais quoi là-bas? Tu essaies de parler. Est-ce que moi, je suis là-bas pour ornir sa maison? Pas là. Et je vais parler avec lui, mais si c'est qu'il n'y a pas de solution ou bien pas de changement, moi-même je vais prendre un changement. Je vais parler, non. C'est que tu ne veux plus. Si ça ne change pas, tu parles, tu prends une autre décision. Ok, d'accord. Bon, moi il m'en veut, pardon. Il n'y a rien qui parle. Allons, ben, il m'en veut pas. Tout le monde qui sort, c'est qu'il n'a pas la voix. Toujours belle comme ça là. Alors, bye bye. Bye bye yo. J'espère que tu t'es coiffée. On sort le soir. Non, on ne sort pas. Je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. On te veut le mariage, mais là tu pleures, tu pleures. Tu te disais que viens, on sort, viens, on sort, viens, on sort. Tiens, tu veux le mariage. On a pleuré, pleuré. Faut qu'un peu le type soit. Je rassure. Allô? Oui, partenaire, c'est comment? Le voyage là tient toujours pour aujourd'hui, non? Vous savez qu'on prend, on se prend dans combien de temps? Oh oui. D'accord. Je m'apprête vite là, le temps que madame rentre. Je te retrouve. On va ensemble. D'accord. Oui, n'oublie pas les documents là. Ok. Je te rappelle. Merci. Bonjour. Bonjour, je vous accompagne. C'est quoi le problème? En fait, la situation dans laquelle nous sommes actuellement ne m'arrange pas. En fait, depuis un bon moment de temps. Quelle situation? Genre, tu n'es jamais là. Mais tu sais pourquoi je suis pas là? Tu n'as jamais de temps pour moi. Même quand tu rentres un peu, je vais même te toucher. Tu es encore fatigué, tu dis que... Oh, tu es mais c'est tout à fait normal, non? Qu'est-ce qui est normal? C'est attends un peu. Tu veux que je reste là pour ne gagne pas de l'argent? Attends, c'est quelle relation? C'est pas l'argent que tu... Attends un peu. Bon, on va donc gérer cette maison, c'est comment si je ne travaille pas? Attends un peu. J'attends quoi? Ouais, dis-moi, j'attends quoi? On va faire les enfants quand? Tu n'as plus mon temps, je suis là comme ça là. Toutes choses en temps. Chacun prend son temps. Bref, tu comprends. En fait, je t'attendais même parce que tu as vu, t'es au téléphone là. Je dois encore faire un dernier voyage là pour ce week-end. N'est-ce pas? Oui. Donc, on va voir ça quand il va y rentrer. Non, ne me touche donc, pas. D'accord. Ok, d'accord. C'est comme je t'ai dit, mais je vois pas pourquoi tu prends ça mal. Parce que c'est l'argent que nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas le genre de mariage que je voulais. Donc, tu es mal à l'aise. Dis-moi. Je suis mal à l'aise, oui. Donc, tu ne veux pas l'argent. Tu n'es pas une chose de ne pas vouloir l'argent.
Je suis une femme, j'ai des envies, c'est comment? Est-ce que tu m'as alors dit que tu as les envies et j'ai refusé quand ces envies? Quand tu rentres là, tu dis que tu es fatiguée. Mais c'est parce que toi, si tu viens au mauvais moment, comment je rentre, quelqu'un est censé être fatigué? Donne-moi le temps de me reposer après. Baf! Est-ce que moi-même, je t'ai dit que je n'ai pas ces envies là? Moi aussi, j'ai ces envies. Mais toi-même, tu sais que je ne ramène pas de l'argent. Si tu sais aussi la première, tu vois comment tu es toujours taillé, bien vêtu, les uns, les autres. J'ai fait ça, tu ramasses avec quoi les cailloux? J'ai pas l'argent. Et c'est pas de ma faute si j'ai un boulot qui me permet, qui me demande de trop voyager. Donc madame, on va voir ça quand je vais rentrer, s'il te plaît. Permets-moi de faire le sort, on m'attend déjà, mais merci. Ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, même pas fait un sac. Je m'attendais que ce soit une tarif. Là, tu me fasses le sac, tu viens. Bref, j'y vais alors. Tout à l'heure, tu me parlais pas que tu veux ma présence ici. Voilà qu'on a coupé les images. Il faut on met les images avec quoi? Pour l'argent que tu as travaillé depuis que je n'ai pas la maison, ça ne peut pas. Qui garde l'argent? C'est moi le gestionnaire de la maison. Je suis là pour ramener l'argent à la maison. C'est toi qui gères tout ça. Si maintenant tu me dis qu'il n'y a pas d'image, je comprends là que il faut que je ramène encore pour que tu puisses payer les gérer les affaires des images. Comment? Dis-moi un peu. Ça, je fais ça comment maintenant? En passant, il faut les... Tu viens de finir de crier dessus. Bref, c'est comme je t'ai dit, on gère ça au bout, s'il te plaît. Bye bye. Allô? Oui, Tony, comment tu vas? Ok, tu fais quoi maintenant? Tu sais que j'étais tellement content quand tu m'as appelé. C'est ça. C'est depuis j'ai peur, j'attendais ton coup de fil. Oh. C'est moi aussi, j'étais content de t'appeler donc. Tu sais, j'ai souvent tendance à dire qu'on donne un petit aux gens qui n'ont pas faim. Tu vois, quelqu'un qui gagne, il était mérité. Voilà comment tu viens. Franchement, yeah, moi, tu fais. Je suis fatiguée déjà. C'est quoi? Si c'était pas toi, c'était vous. C'est moi, je suis fatiguée. Je te dis qu'il faut encore supporter un peu. Non, moi, je suis fatiguée. Non, moi, supporte. J'attends un petit truc. Mais tes mecs à l'aise, tu vas pas te reconnaître. Tu dis, tu vas pas te reconnaître. Moi, j'avais mal de rester à la maison. C'est sérieux, c'est quoi ça? Non, tu l'as comme le pot de fleurs de quelqu'un. Il ne dégère pas rien. Non. Tu fais quoi? Je sais pas. On vient un peu te détendre d'abord parce que c'est quand même toi, non? Je sais que c'est quand même toi. Ah bon. C'est-à-dire que quand je vois la maison aussi comme ça, je te vois. Je ne peux pas imaginer comment c'est complet. Hein? Mais un jour, je te dis, il y aura une maison comme ça. Je sens que ma fille, c'est vraiment content de revoir que le voyage est terminé. On est deux. On va pouvoir faire les choses là bien. Aïe aïe aïe, les meilleurs moments de la journée. Aïe. Oh. Allez. Yeah! 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 C'est comment tu m'as pas entendu arriver? C'est quoi, il y a un souci? Je pensais que tu allais être content de me voir alors que tu étais censé voyager. C'est quoi? Hé, hey, attends. Grand frère. Hé, hey, attends, grand frère, je n'ai pas su. Hey.
C'est quoi? Bonjour. Excuse-moi de débarquer chez toi à l'improviste. Je croyais que j'allais trouver ton ami ici. Bref, qu'elle allait te trouver avec Alice. Non, c'est seulement lui le matin. Elle n'est pas à la maison. Non. En fait, je suis rentré du voyage tout à l'heure. En fait, je devais voyager, mais le voyage était annulé. Maintenant, en rentrant, je savais que elle, ma femme devait être contente de nous voir, que le voyage était annulé, quoi. Mais quand j'arrive dans la chambre, grande surprise, elle a mis, c'est déjà trouvé avec, avec un autre monsieur. Alice avec un homme chez toi. Voilà. Alice qu'elle connaît. Et du coup, j'ai juste posé la question, c'est quoi? Elle a porté ses affaires. Elle est partie. Elle est partie. Je pensais que j'allais la trouver chez toi. Mais c'est bien si elle est partie. Yeah! Vu qu'elle est partie, elle a pris ses affaires. Oui, elle a fait ses affaires. C'est bien. Mais... Tu es là comment? Moi, je viens te voir que... Bref. Tu me vois quoi? Si elle est partie, c'est bien. Là, tu me prends au dépourvu, tu me prends au dépourvu. Mais je suis là, moi je supporte les hommes comme toi. D'accord. Elle n'a pas participé à les hommes. J'ai compris. Je viens de t'expliquer, je t'ai expliqué que je vais trouver à la maison avec un autre. Oui. Donc je ne sais pas pourquoi moi-même elle est partie, c'est pour ça que je suis arrivé chez toi. Et toi aussi tu me prends au dépourvu, permets-moi de. Je crois qu'il va te rappeler. Il va te rappeler. Attends, il fait mes bagages, on part une fois. Attends, moi il va te rappeler. Tu me dis qu'Alice est partie. Maintenant, elle te dit que moi, je vais remplacer Alice. Tu me dis que tu vas me rappeler. Alice est partie. Tu n'es pas bien quand tu dis qu'Alice est partie.